Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir, cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on fait un petit tirage intemporel pour capter les énergies concernant votre relation, votre autre. Allons-y, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Ok. Alors, une, deux et trois. Et en dos, on a le chevalier des deniers. Le valet de coupe, la lune et le 9 de denier. Ces cartes sont déjà sorties la dernière fois, si je me rappelle bien. On a ici quelqu'un, peut-être une nouvelle proposition de relation, une proposition d'amour. Le valet de coupe, ça peut nous parler vraiment d'une nouvelle, peut-être, relation, d'une nouvelle rencontre, l'entrée de quelque chose de nouveau, d'un événement nouveau, mais qui concerne évidemment le relationnel, le cœur, les émotions. J'ai ici comme quelqu'un qui n'a pas envie de s'ouvrir encore à cette relation ou à cette proposition. J'ai quelqu'un ici qui se sent bien dans sa vie, épanoui, tout se passe bien, tout va bien. J'ai pas très envie de prendre la tête, j'ai pas envie de m'ouvrir. Peut-être parce qu'on a vécu une expérience qui était compliquée. C'est possible. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un ici qui n'a pas forcément envie de voir cette proposition-là. Il n'est pas très ouvert. Il est encore peut-être dans des souvenirs ou des angoisses ou des douleurs. Pas forcément douleurs, mais comme, c'est comme si on s'est dit, oh, c'est bon, là, j'ai compris. Maintenant, je me tourne vers autre chose. Je m'occupe de moi, je m'occupe de mon travail. Je me concentre sur ma vie et le reste, je ne vais plus en entendre parler. Équilibre. Ici, on me dit quand même que par rapport à cette proposition-là, les choses sont équilibrées. C'est-à-dire, il n'y a pas un jeu de pouvoir, il n'y a pas... Il n'y a pas quelqu'un qui a l'ascendant sur l'autre. Il n'y en a pas un qui essaie de manipuler, par exemple, l'autre. Il y a une sorte d'équilibre. Ah oui, il y a l'intérêt aussi. D'accord. J'ai au dos l'engagement. J'ai ici quelqu'un, peut-être, qui n'a pas forcément envie de donner suite à une relation, à une proposition, parce qu'il est plus centré sur peut-être sa vie matérielle, professionnelle, projet. D'accord? J'ai envie quand même de... Oui. Oui. Prudence. Oui. Trahison. J'ai peut-être ici quelqu'un qui a été trahi. Du coup, il est très, très, très méfiant. Méfiante. Que ce soit une relation basée sur l'intérêt, sur...
Voilà, que ce soit pas sincère. Parce que peut-être qu'on a vécu une expérience de trahison, de... On a été poignardé dans le dos. Et du coup, on est très très prudent. Que ce ne soit encore la même chose. Mais là, j'ai le sentiment que on vous dit prenez le temps, d'accord? Prenez votre temps. Il n'y a pas besoin. Enfin, vous n'êtes pas obligé de juger d'avance une proposition. On vous dit peut-être que ça vaut le coup d'essayer de donner une chance à cette relation. Pour certains, après, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Mais on vous dit, les choses se construisent, enfin, surtout une relation, ça se construit à deux, évidemment. Chacun doit donner un peu voilà, du sien, faire des efforts, chacun de son côté, même si je n'aime pas trop ce mot effort. Mais une relation, surtout quand c'est une nouvelle relation, on est obligé, si on a envie que ça marche, de quand même d'essayer un minimum d'être souple, un minimum laisser le temps aux choses, que ça se fasse naturellement, que les choses se posent naturellement. D'accord? J'ai ici au dos l'engagement. Peut-être pour certains, on va accepter cette proposition. Pour d'autres, ils vont peut-être rester encore méfiants et ça va du coup peut-être prendre plus de temps. Mais pour certains ici, j'ai l'impression qu'au final, on va quand même accepter parce que peut-être on aura demandé, on aura vérifié que là, on est sur un terrain solide, qu'il n'y a pas de, voilà, qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, qu'il n'y a pas de vice caché. D'accord? On va prendre une petite carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, s'il vous plaît, oula. Après, je peux comprendre. Quand on est bien, on a trouvé un certain équilibre, on a fait les efforts pour se reconstruire, pour se guérir, etc., etc. C'est sûr qu'après, on n'a pas envie de prendre encore des risques, de tout détruire. Mais on vous dit aussi que tout le monde n'est pas pareil. J'ai le oui ici, abondance, récolte. J'ai le pardon, la libération. J'ai ici au dos intrus, ex, ombre. Peut-être que certains, il y a encore l'ombre d'une ex précédente qui est encore là, qui fait une certaine comment dire, oui, il met comme un blocage dans votre avancement, même si peut-être vous en rendez pas forcément compte, vous pensez que tout va bien pour vous, etc., mais au fond de vous, inconsciemment peut-être ou consciemment, vous savez qu'il y a quelque chose du passé qui est encore là, qui tourne autour quand même, il y a encore l'ombre du passé. Vous n'êtes pas à 100% sorti de ça. Après, ça peut se comprendre, évidemment. Une mauvaise expérience, ça nous marque peut-être à vie. Du coup, enfin, ça nous change. Forcément. Après, on essaye quand même de faire en sorte que ça ne change pas de façon négative. C'est sûr que on apprend de nos expériences, on apprend de nos échecs, mais normalement, ça devrait servir que pour justement mieux appréhender le monde, mieux comprendre, se comprendre et comprendre aussi les enjeux d'une relation et de comprendre aussi quels sont les signaux qui peuvent nous alarmer, mais sans
sans être dans dans une sorte de paranoïa, sans être dans une sorte de méfiance dès le départ. Juste, on est plus comme si on est plus préparé, on comprend mieux les choses. C'est comme si on a appris une nouvelle langue et maintenant on est capable de comprendre. Quand quelqu'un nous parle dans cette langue-là, on est capable de comprendre. C'est ça qu'on devrait retenir d'une relation ou d'une expérience, n'importe laquelle d'ailleurs, surtout si c'est une expérience qui a été difficile. Là, donc, j'ai un oui. Ok, j'ai l'abondance et la récolte. J'ai pour certains ceux qui décident de se faire confiance, de faire confiance à la vie. On vous dit oui, vous pouvez y aller. Évidemment, si vous avez besoin d'y aller à votre rythme, évidemment, allez à votre rythme. Surtout, allez à votre rythme, d'ailleurs, j'ai envie de dire, hein. Ne vous laissez pas embarquer comme ça. Si vous avez envie de prendre votre temps, d'étudier, évidemment, faites-le. Faites surtout les choses comme vous les sentez, sans pression, sans souffrance, sans que ce soit quelque chose de désagréable. Faites les choses de façon plus posée. Vous ne risquez rien. Surtout si vous avez travaillé sur votre attachement, sur les problématiques ou les blessures de l'attachement, de la dépendance, de l'abandon, etc., etc. Si vous avez travaillé sur ces sujets-là, je pense que vous êtes aujourd'hui prêt à aller affronter, j'ai envie de dire, un nouveau défi dans la vie, même si c'est pas forcément, c'est pas la guerre non plus, c'est une proposition d'amour. Donc vous pouvez aller en toute confiance, vous donner une chance, donner une chance à la vie. Après, ça marche, bah, tant mieux. Même si ici j'ai l'impression que oui, si ça ne marche pas, ben, tant pis, et puis c'est tout. Ne donnez pas plus d'énergie qu'il en faut, d'accord? Et aussi, ne vous privez pas de quelque chose qui pourrait vous faire du bien aussi, juste par peur, ce serait dommage. Ici, on me dit qu'il y a un travail de pardon à faire et une libération aussi. Ça peut me parler d'une libération du passé, comme on a vu au dos. Après, si c'est pour certains, c'est un retour d'un ex, c'est-à-dire cette proposition, c'est de quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui peut-être vous avez déjà vécu quelque chose, si ce n'est pas une nouvelle personne. Il y aura peut-être des réconciliations, mais après aussi un travail de pardon à faire. Se pardonner soi-même, pardonner à l'autre. Vous voyez cette personne-là avec une sorte de flèche qui transperce sa cuisse. Il est un peu à nu. Il est blessé, ça saigne encore. Et donc, il y a besoin de guérir ses blessures. Avant toute chose, il y a besoin de laisser cicatriser ses blessures. Mais pour que ça cicatrise et pour que ça guérisse, on est obligé de passer par le pardon. Pardonner à soi, pardonner à la vie, pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, parce qu'il faut savoir aussi que chacun agit en fonction de son niveau de conscience, de son niveau d'avancement dans la lumière, j'ai envie de dire, par rapport à ses craintes, par rapport à ses propres peurs, par rapport à ses blessures, etc., etc. Là, quand on parle de pardon, on ne parle pas d'accepter des choses inacceptables. On parle de pardon, c'est une sorte de laisser aller, c'est une sorte de lâcher prise, de ne pas attendre une explication, de ne pas attendre une réponse logique. Chacun fonctionne au fond par rapport à ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Ce n'est pas forcément en harmonie avec vous.
Mais ce n'est pas ni votre responsabilité ni votre faute. Donc vous, quelque part, si vous restez dans une souffrance, ça veut dire que vous gardez un lien avec cette chose-là qui vous fait souffrir. C'est comme il faut couper ce lien, il faut couper le cordon, il faut couper cette liaison malsaine avec une source de souffrance. C'est vrai que peut-être c'est facile à dire, mais c'est un travail. Je pense vraiment et sincèrement que même si des fois ça peut être long, mais on y arrive vraiment, on y arrive, croyez-le, sachez-le, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, vous avez la force nécessaire pour y arriver. Il suffit juste de le décider et de le vouloir, mais de façon vraiment sincère. D'accord? Ici, j'ai l'écoute, l'analyse et la méditation. Là, on me parle vraiment de faire un travail intérieur, de s'écouter, d'essayer de faire la paix à l'intérieur, de faire la paix avec ces événements-là, avec les personnes, de vous écouter, écouter votre cœur, écouter votre intuition et non pas vos peurs. C'est pour ça peut-être qu'on vous, ici, on vous conseille de faire de la méditation parce que justement, ça vous permet de retrouver un état de paix, un état de calme suffisant pour voir clair en vous, que ce soit pas via un filtre de peur, de trauma, de blessure. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on vous dit vraiment, regardez à l'intérieur de vous, comme si vous venez juste d'arriver sur Terre, avec un cœur tout nouveau, avec un regard tout neuf sur la vie. Vous n'avez pas de passé, vous n'avez pas d'expérience. Et aujourd'hui, essayez de voir qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous. D'accord? Écoutez, mes chers amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Si c'est des réconciliations, je vous souhaite vraiment de trouver la paix, de trouver le bonheur. Et surtout, prenez votre temps, vraiment, prenez votre temps. Ne vous mettez pas la pression et n'autorisez personne à vous mettre la pression. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez, du temps qu'il vous faut, de la façon dont vous avez besoin que les choses se passent. D'accord? Si c'est une nouvelle personne, bah, sachez que cette personne-là n'a rien à voir avec votre passé et vos expériences et vos blessures. C'est une personne nouvelle dans votre vie et peut-être qu'elle mérite une toute petite chance pour qu'elle vous montre ce qu'elle a à vous montrer et peut-être que cette fois-ci, ce sera le bon équilibre et l'harmonie. D'accord? Écoutez, quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, je vous souhaite vraiment l'amour, la paix, le bonheur, la joie et je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année. On est à quelques jours du nouvel an. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.